En manchette aujourd'hui, le Parti libéral dénonce les hausses de taxes fulgurantes dans plusieurs municipalités. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 17 février. Donc, au Salon Bleu, mardi dernier, la députée libérale Virginie Dufour a dénoncé des hausses fulgurantes du compte de taxes dans plusieurs municipalités aux quatre coins du Québec. La région de la Naudière n'est pas en reste. Il y a eu des fortes hausses dans plusieurs municipalités. Selon elle, ces hausses intenables, on la cite, s'expliquent par le laisser-faire du gouvernement qui refuse de s'engager à mettre en place une vraie réforme de la fiscalité municipale. On prend ses paroles. Les municipalités sont trop dépendantes de la taxe foncière. Elles ont besoin de varier leurs sources de revenus, a-t-elle expliqué. Elle a aussi mentionné que le gouvernement ne met pas de taxe sur les écoles, CHSLD, toutes les propriétés de l'État, donc qui ne font pas leur juste part pour les municipalités. En réplique, la ministre André Laforêt mentionne que des fonctionnaires ont été chargés de vérifier si les augmentations étaient justifiées dans certaines villes. La ministre Laforêt mentionne que de nouveaux services ou l'ajout d'infrastructures pouvaient entraîner des augmentations de taxes. Elle a réitéré que, et on la cite, « c'est important de respecter la capacité de payer des citoyens et que les élus sont imputables devant leur population ». Selon le président de la Fédération des municipalités, Jacques Demers, il invite la ministre à une plus grande prudence et à respecter les municipalités reconnues comme des gouvernements de proximité et qui ne sont pas sous la tutelle du gouvernement du Québec. Il a rappelé que l'inflation frappait les municipalités qui n'ont obtenu aucune aide directe pour y faire face. La Fédération des municipalités du Québec, la FMQ, demande plutôt à la ministre des Affaires municipales de l'appuyer dans ses revendications auprès de son collègue des Finances. Contrairement au gouvernement du Québec, pour qui l'inflation a eu un effet positif sur ses revenus, les municipalités sont aux prises avec une augmentation considérable de leurs dépenses. Par exemple, seulement pour les dépenses liées au déneigement, la hausse est évaluée en moyenne à 35 % pour 2023. Quelques heures après la sortie de la ministre, son cabinet a apporté des nuances importantes. Le gouvernement n'a pas l'intention de sévir contre des municipalités et n'a pas le pouvoir de le faire de toute façon, a-t-on souligné. Il ne peut casser des décisions en matière de taxation. Son objectif est plutôt d'offrir, et on cite, un accompagnement aux villes qui le souhaitent. Il veut respecter le principe de l'autonomie municipale. Par ailleurs, la ministre André Laforêt a signalé qu'un comité avait été mis en place pour revoir la fiscalité municipale, un engagement que le gouvernement avait pris avec les représentants des villes. On écoute un extrait. L'inflation fait mal à tout le monde. À l'épicerie, tout coûte plus cher. Les loyers, les taux d'intérêt montent en flèche. Et voilà que certains citoyens font maintenant face à des hausses de taxes municipales vraiment fulgurantes. À Compton et Lac-Saint-Joseph, le compte de taxes a monté de 12 % À Notre-Dame-du-Mont-Carmel, 15 % À Saint-Mathieu-du-Parc, 17 % Rivière-Rouge, 20 % À Potton, ça va aller jusqu'à 28 % Il est grand temps de revoir la fiscalité municipale. Les municipalités sont trop dépendantes de la taxe foncière, puis elles ont besoin de varier leurs sources de revenus. Après 5 ans au pouvoir, le laisser-faire du gouvernement caquiste nous mène à des hausses de taux là, qui sont rendues intenables pour trop de citoyens. Alors, la ministre des Affaires municipales peut-elle s'engager à mettre en place une vraie réforme de la fiscalité municipale? La réponse de la ministre des Affaires municipales. Oui, merci, Madame la Présidente. Je suis quand même très heureuse de répondre à votre demande parce que quand on a signé le pacte fiscal, on s'est engagé avec l'Union des municipalités, la Fédération québécoise des municipalités à mettre en place un comité pour revoir la fiscalité municipale
Et oui, le comité est déjà en place. On travaille la fiscalité municipale parce que l'UMQ et la FQM demandaient également de nouvelles mesures pour la reddition de comptes. Alors, le comité est déjà en place. Je tiens vraiment à vous informer. Maintenant, la hausse de taxes, comme vous le mentionnez, 24 % 28 %, est-ce que c'est normal? Comme citoyenne, je trouve que c'est beaucoup. Maintenant, pour une municipalité, est-ce qu'il y a des nouveaux services? Est-ce qu'il y a des nouvelles infrastructures? Est-ce qu'il y a un nouvel organisme qui est sur le territoire? Maintenant, il faut voir avec les élus, parce que les élus sont imputables devant leurs citoyens. C'est important de le mentionner. Pour certaines municipalités, je ne peux pas nommer le nom des municipalités, mais tout de suite, il y a des gens de mon ministère qui se sont déplacés pour voir si cette hausse de taxes était acceptable. Alors, il y a des vérifications qui se font présentement. Merci, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, il n'y a pas que les citoyens qui souffrent, nos commerçants aussi. Un exemple, aux Îles-de-la-Madeleine, les commerçants ont vu leur compte de taxes augmenter de 31 % et les industries, 45 %. 45 %, c'est énorme. Et j'ai aucun doute là, que c'est, ça n'a pas été de gaieté de cœur pour les élus municipaux de prendre une décision aussi difficile. La ministre a-t-elle un plan pour les petites municipalités qui ont une assiette fiscale vraiment limitée? Nos commerçants, là, ils sont à bout de souffle. Madame la ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. C'est sûr qu'on a une situation d'inflation qu'on a vue depuis les deux dernières années particulières. Maintenant, je tiens à mentionner que comme gouvernement, on a pris nos responsabilités parce que les municipalités ont eu depuis les deux dernières années 900 millions durant la pandémie. Et en plus, il y a eu le point de croissance de TVQ qui a été donné aux municipalités, ce que les municipalités n'avaient pas dans le passé. Donc, on parle d'un montant de 109 millions, le premier montant pour le point de croissance de la TVQ, et 135 millions. Donc, les municipalités, on les aide à faire face à l'inflation. En 2022, c'est 7,2 milliards en transfert direct qu'on a donné aux municipalités. Maintenant, les villes peuvent diversifier leurs revenus. C'est inscrit dans la loi. Les municipalités doivent... Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, pendant que les villes sont prises à la gorge, bien, le gouvernement ne paye pas ses taxes. Les écoles, les hôpitaux, les CHSLD, toutes les propriétés de l'État ne payent que 70 % de leurs taxes municipales. L'autre portion, le 30 % bien, c'est assumé par les citoyens, vous et moi. J'aimerais donc demander à la ministre, est-ce qu'elle aimerait que les citoyens ne payent que 70 % de leurs impôts? Réponse de la ministre. Oui, merci pour la question très intéressante, parce qu'il faut voir que dans une municipalité, il faut voir aussi que s'il y a une nouvelle école, évidemment, au niveau du développement économique, il y a une différence qui se fait aussi. Maintenant, ce qui est important de mentionner pour les municipalités, comme je le disais, il y a des programmes qui existent. Puis ça, c'est important de respecter la capacité de payer des citoyens quand on parle de la hausse des taxes. Maintenant, ce qui est important aussi de mentionner, c'est qu'il y a un programme qu'on a annoncé pour aider les plus petites municipalités. Ça, c'est prévu également parce qu'on parle des municipalités rurales. Elles demandent, évidemment, puis oui, on va les entendre, on les a entendus. Il y a une autre chose aussi que je veux vraiment mentionner, les budgets relèvent des villes. Alors, c'est aux villes de faire leur budget et nous, comme gouvernement, on va les accompagner, évidemment. Le chef du Parti québécois, député de Camille Lorrain, Paul Saint-Pierre Plamondon, et le porte-parole en matière d'habitation et député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arsenault, demandent au gouvernement de relancer le programme Accès logis et d'entamer dès maintenant la construction de 45 000 logements sociaux, dont 10 000 logements étudiants et minimalement 1 000 logements dans la Naudière. Le Parti québécois demande en effet la construction d'ici 5 ans de ces 45 000 unités de logements sociaux et hors marché dans l'ensemble des régions du Québec. De ce nombre, 10 000 logements devraient donc être destinés spécifiquement aux étudiants dans toutes les villes où il y a des universités ou des cégeps. Le Parti québécois estime que la Naudière aurait droit à 1 000 logements. Ce grand chantier de construction de logements sociaux est nécessaire pour faire face à la crise du logement et à l'augmentation de l'itinérance qui touche toutes les régions. Le ralentissement prévu du secteur de la construction privée est l'occasion de lancer dès maintenant ce grand chantier bénéfique pour tous. Paul Saint-Pierre Plamondon s'indigne que le gouvernement du Québec ne prenne pas au sérieux la crise du logement et l'augmentation de l'itinérance. On le cite, « Alors que le coût des logements locatifs explose partout au Québec et que de plus en plus de personnes sont à risque de se retrouver sans logis, la CAQ reste les bras croisés,
Elle refuse d'adopter un registre des loyers, d'agir pour limiter la propagation d'Airbnb, mais surtout, elle a totalement abandonné la construction de logements sociaux, exprime avec déception le député de Camille Laurent. À ses yeux, il est nécessaire de relancer le programme Accès Logis, qui est un héritage du Parti québécois, en lançant ce grand chantier de construction de 45 000 unités de logements sociaux et hors marché pour toutes les régions du Québec. On le cite, « J'étais très fier lors de la dernière élection que le Parti québécois ait dans son cadre financier l'engagement le plus important en matière de construction de logements sociaux et notamment que l'on destine spécifiquement 10 000 unités pour les étudiants de toutes les régions », donc a souligné Paul Saint-Pierre Plamondon. Pour le député Joël Arsenault, il est nécessaire de profiter du ralentissement déjà observé dans la construction privée pour lancer ce grand chantier. On le cite, « La hausse des taux d'intérêt a fortement ralenti les mises en chantier, alors profitons-en pour financer les projets qui attendent du financement depuis de nombreuses années », lance-t-il, ajoutant qu'à 0,9 % à Joliette, par exemple, le taux d'inoccupation de la région est bien loin du seuil raisonnable de 3 %. Finalement, pour le député des Îles-de-la-Madeleine, ce grand chantier doit se réaliser en plus de l'accélération de la rénovation du parc actuel de logements sociaux. On le cite, on sait que de nombreux HLM sont en très mauvais état. Le gouvernement a déjà prévu d'allouer 2 milliards à leur rénovation, mais ces sommes vont arriver trop tard. Si on n'accélère pas la rénovation de ces bâtiments en débloquant les sommes prévues dès maintenant, plusieurs logements sont à risque d'être perdus. On a déjà 500 portes de HLM barricadées au Québec. N'attendons pas d'en avoir plus avant d'agir, a-t-il mentionné, rappelant qu'une centaine de HLM de la rue Flamand à Joliette, entre autres, sont en attente de travaux importants. Le Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de la Nausière, souhaite informer la population, particulièrement les jeunes de 12 à 25 ans, que les services jeunesse d'air ouverte, logés temporairement boulevard Antonio Barrette, à Notre-Dame-des-Prairies, seront transférés dans de nouveaux locaux permanents le 20 janvier, donc dans quelques jours, à compter de mercredi 22 janvier, 10 h. Les jeunes seront invités à se rendre au 107 Place Bourget-Nord au centre-ville de Joliette. L'endroit est facilement accessible et dispose d'une superficie permettant l'aménagement d'un espace d'accueil chaleureux et des lieux de rencontre assurant la confidentialité. Air ouverte s'adresse aux jeunes de 12 à 25 ans en partenariat avec des organismes de la communauté. Une équipe d'intervenants y offre différents services adaptés à la réalité des jeunes. On peut parler de santé mentale, physique, sexuelle, de leurs relations amoureuses ou familiales ou encore de préoccupations sur leur avenir. L'équipe peut être jointe par téléphone au 45 ou par texto, voilà, au 450-271-6382. 450-271-6382. Nous avons parlé, CTRB, nous avions parlé il y a un petit moment déjà, avec Maxime Labelle, responsable de ce projet. On écoute l'extrait. Je suis en compagnie de M. Maxime Labelle, qui est le conseiller cadre pour un beau projet que le CU3S de la Nausère a mis en fonction, qu'on appelle les aires ouvertes. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Programme qui s'adresse à la clientèle 12-25 ans. C'est ça, exactement. C'est un beau projet. J'ai été vraiment interpellée par cette annonce-là. Et pouvez-vous nous en parler un petit peu, on pourrait dire, de l'origine, là? C'est quoi l'historique de ce projet-là? Oui, tout à fait. En fait, les projets à ouvertes, c'est des projets qui arrivent, en fait, là, du ministère Santé et Services sociaux, qui sont actuellement déployés dans toutes les régions du Québec actuellement et qui visent aussi à rejoindre la clientèle 12 à 25 ans et leurs proches. Quand je parle des proches, je parle de la famille, des amis, qui pourraient avoir besoin de services autant au plan de la santé mentale, de la santé sexuelle, de la santé physique et tout autre besoin aussi qui sont exprimés là, par la clientèle de ces âges-là.
Donc, les jeunes vont pouvoir se présenter eux-mêmes directement sans rendez-vous, c'est ça que je comprends. Et il y a une structure d'accueil qui est faite, là. C'est ça un petit peu l'avantage de ce programme-là. Le jeune dit « j'ai besoin d'aide », comme vous dites, que ce soit sur différents sujets, et vous allez dire « oui, on t'accueille, on te reçoit ». C'est un petit peu la procédure. Tout à fait. En fait, l'idée d'une aire ouverte, là, c'est de pouvoir offrir des services très accessibles, d'offrir des services qui sont rapides aussi et adaptés à la situation de chacun des jeunes qui a besoin de ces services-là. Donc, effectivement, on sera en mesure là, de rencontrer les jeunes, autant dans le local qui est dédié pour la clientèle aire ouverte. On a des locaux temporaires qu'on occupe actuellement à Notre-Dame-des-Prairies. On aura des locaux qui seront plus permanents aussi à Joliette là, au courant de l'automne 2022. Un jeune, donc, peut recevoir des services autant dans le local qu'à un autre endroit qui lui convient, que ce soit dans une école, que ce soit dans un organisme communautaire qu'il fréquente déjà, ou que ce soit à domicile. Donc, l'idée, là, c'est vraiment de s'adapter, d'adapter les services en fonction des besoins que le jeune exprime. C'est comme ça, comme vous me disiez en pré-entrevue, vous êtes à Joliette, mais un jeune de la polyvalente à Berthierville ou justement à la maison des jeunes, des choses comme ça, les institutions, les organismes sont maintenant au courant de cette offre de service et ils peuvent référer, tantôt vous parliez par Teams, vous parliez par différents moyens, et vous allez pouvoir offrir des services. C'est ça qui est important, c'est être capable, je ne dirais pas le mot récupérer, mais de s'assurer que les jeunes sont vraiment bien encadrés. C'était vraiment un besoin qui était ressenti à travers la province, là. Oui, tout à fait. En fait, je vous parlais de l'accessibilité en fait, aux services, autant dans le local que chez différents partenaires. Il y a aussi la possibilité d'avoir des services qui s'offrent de manière virtuelle. Donc, un jeune qui est un peu plus loin, par exemple, des grandes villes ou de Joliette, pourrait avoir des services par nos intervenants, disons, par la plateforme Teams. Donc, il y a vraiment cette volonté d'aller rejoindre les jeunes par des moyens qui leur conviennent. Donc, effectivement, un jeune de Berthier pourrait recevoir des services d'air ouvert, de s'y ouvert à l'ensemble de la population de 12-25 ans. C'est ça qu'il faut expliquer aussi, que c'est un service complémentaire. Les jeunes qui sont déjà suivis dans différents programmes, on les lâche pas, là. On ne leur dit pas du jour au lendemain, vous êtes abandonnés. C'est vraiment peut-être le but, je crois, comme j'ai bien compris, c'est peut-être d'augmenter l'offre de services et de rejoindre encore plus de jeunes. Éventuellement, vous allez être dans le centre-ville de Joliette, qui est vraiment, on pourrait dire, une pépinière d'endroits de jeunes où que les jeunes se tiennent. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est pas de se substituer à des services qui existent déjà. Je pense qu'on a déjà sur le territoire un beau réseau de services, autant dans le milieu communautaire qu'avec les services qui sont offerts par le réseau. L'idée, c'est de devenir complémentaire à ce qui se fait déjà et de travailler surtout en partenariat avec les organismes qui offrent déjà des services auprès de la clientèle jeunesse. Je rajouterais aussi à ça que dans le programme Aire ouverte, il y a un accent qui est mis pour aller rejoindre des jeunes qui ne font pas de demande de service habituellement, des jeunes qui ont une certaine réticence à consulter dans le réseau de la santé ou qui présentent certains facteurs de vulnérabilité. Donc, on met vraiment des efforts pour aller rejoindre cette clientèle-là et de leur offrir des services là, de façon plus adaptée. Et c'est toute une équipe présentement. Vous êtes combien de personnes qui sont... on pourrait dire assigné à cet espace-là? Oui, bien actuellement, on débute nos services de façon graduelle. Donc, on a 5 intervenants qui sont en poste là, actuellement là, pour offrir des services. Au cours des prochaines semaines, des prochains mois, l'équipe va être appelée à grossir aussi. Mais actuellement, on a des intervenants psychosociaux, donc qui sont en mesure là, d'accueillir la clientèle et d'aller les rencontrer et d'offrir des services. Vous déménagez dans le centre-ville. Après, qu'est-ce que je veux dire? C'est un projet ou c'est un programme vraiment à long terme? Est-ce que c'est un projet qu'on dit, on fait une période peut-être d'un an, deux ans, ou l'objectif du CI3S, que ce soit vraiment une offre permanente là, qui soit offerte pour les jeunes? C'est une offre de service permanente. On a beaucoup parlé de projet parce que dans la dernière année, on a travaillé très fort pour monter ce projet-là. Autant au CIS, mais aussi beaucoup avec nos organismes communautaires partenaires. Je pense entre autres aux maisons de jeunes, au Carrefour Jeunesse Emploi, des auberges du cœur, des organismes sans travail de rue. Donc vraiment, il y a plusieurs partenaires qui nous ont aidés à bâtir ce projet-là, qu'on puisse donner la couleur de Lanaudière à ce projet-là. Mais c'est un programme, effectivement, là, qui va être au long cours. Je rajouterais aussi à ça que dans le déploiement de tout ce programme-là, on a un comité de jeunes qui a été mis en place dès le début de cette réflexion-là, donc en avril dernier, et qui nous a accompagnés tout au long du déploiement du projet et qui poursuit son implication.
Donc, on a entre 10 et 12 jeunes là, qui sont impliqués très, très régulièrement dans ce comité-là et qui nous ont aidés, en fait, à bousculer un peu nos pratiques pour être en mesure là, d'offrir des services de façon la plus adaptée possible en fonction de la réalité. Donc, je tiens à les remercier aussi là, de leur implication dans le projet. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes, un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétro-T sur la rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end, il n'y en a pas aujourd'hui à souligner. 18 février, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Alain Sylvestre et les filles d'Isabelle à Pauline Thibodeau. 19 février, dimanche, les filles d'Isabelle souhaitent bonne fête à Muriel Daisy. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end. On vous souhaite bonne fête. Sur ce, on passe à la seconde pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 février dernier, à 76 ans, est décédé M. Denis Filot, époux de feu Jocelyne Champagne, demeurant à Berthierville. Lui a précédé sa fille Caroline. Il laisse dans le deuil sa fille Audrey Filot, Sylvain Saint-Yves, sa petite-fille Amie Filot Remman, Jean-Christophe Blais, son arrière-petite-fille Mia Filot Blais, son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie aura lieu en toute intimité au Columbarium du complexe Thériault à Berthierville à une date ultérieure. À son domicile, le 8 février, à 46 ans, est décédé M. Benoît Laforêt, fils de feu Jean Laforêt et de Joanne Gervais, Normand Massy, demeurant à Montréal autrefois de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre ses parents, sa sœur et son frère, Geneviève Massy, Jason Valiquette, Adam Massé, Marie-Pierre Lajoie, ses neveux et ses nièces, Ryan, Amy, Charlie, Emma-Rose, Léo, Émile, ses oncles et ses tantes, Christian Gervais, Christiane Gervais, Chantal Gervais, Jean-Paul Mathias, Jocelyne Massy, Paolo Garofano, ainsi que ses cousines et autres parents et amis. La dépouille ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Lanaudière, le 8 février à 71 ans, est décédée Mme Marguerite Gravel, épouse de Alain Rémillard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Hugo Rémillard, Geneviève Lessard, Patrick Rémillard et Magali Rémillard, sa petite-fille Noémie Rémy, et ses petits-enfants Angélique et Élie.
Ses filleules, Sylvie Robert, Martin Majot, Julie Gravel et Marie-Ève Gravel. Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs. Yvon Robert, feu Monique Gravel, Jean-Pierre Gravel, Monique Champagne, Marcel Gravel, Monique Sylvestre, François Gravel, Lisette Beloin, Claude Rémillard, feu Marie-Paul Harvey, Solange et Carmen Rémillard, feu Nicole Rémillard, feu Michel Valois, Francine Rémillard, feu Yvon Bérard, Diane Rémillard, Jacques Lebeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 17 février de 19 à 21h et samedi de 13h30 au complexe funéraire Eftério, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 16h. À son domicile, entouré des siens, le 6 février à 85 ans, est décédé M. Claude Noël, époux de feu Lise Saint-Germain, demeurant à Berthierville et natif de Trois-Rivières. Il laisse dans le deuil sa fille et son gendre, Sophie Noël, André Chiasson, son petit-fils Xavier-André Chiasson, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Jacques Noël, Marielle Saint-Germain, Roland Desbiens, Régent Saint-Germain, Carole Levasseur, Pierrette Hubert, feu Ludovic Saint-Germain, Pierrette Grandbois, feu André Saint-Germain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 18 février dès 10h au complexe funéraire Thériault à Berthierville, suivra un hommage au salon à midi. Par la suite, les gens sont invités à la salle du Royaume des Témoins de Jéhovah à 15h, au 102 rang Sainte-Philomène à Sainte-Geneviève-de-Berthier pour un discours funèbre. M. Noël sera inhumé au cimetière de Louisville à une date ultérieure. Au CHDL de la Naudière, le 10 février à 73 ans, est décédé M. Luc Valois, fils de feu Omer Valois et de feu Madeleine Bergeron, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants Lou-Anne Valois, Xavier Martin, Yann Valois, la mère de ses enfants Louise Toupin, son frère, sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur, Pierre-Paul Valois, José Rondeau, Céline Valois, Michel Guévremont, sa nièce et son neveu, Marie-Christine et Maxime Valois, ainsi que tous les membres de la famille Toupin, plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 4 mars dès 11h au complexe funéraire Eftério, 741 Notre-Dame à Berthierville, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Valois sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi après-midi, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de moins 7, un temps ressenti de moins 13, environ 1 cm de neige. Vendredi soir, c'est des passages nuageux, une température de moins 9, un temps ressenti de moins 15. Vendredi nuit, c'est dégagé, une température de moins 18, un temps ressenti de moins 24. Samedi matin, ce sera un ciel variable, une température de moins 16, un temps ressenti de moins 24. Samedi après-midi, c'est nuageux avec quelques éclaircies, une température de moins 4, un temps ressenti de moins 10. Samedi soir, ce sera un ciel variable, température de moins 5, un temps ressenti de moins 11. Samedi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de moins 9, un temps ressenti de moins 14. Dimanche matin, c'est nuageux avec éclaircies, une température de moins 7, un temps ressenti de moins 11. Dimanche après-midi, c'est nuageux, une température de 1, un temps ressenti de moins 1. Dimanche soir, c'est plutôt nuageux, une température de 1, un temps ressenti de moins 3. Dimanche nuit, c'est nuageux, une température de 2, un temps ressenti de moins 2. Et voilà, c'était tout pour votre météo.